Approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez assister à un numéro exceptionnel, un numéro de magie internationale, absolument unique au monde et unique aujourd'hui devant vous et entièrement gratuit. Et pour ce numéro exceptionnel de magie, nous avons la chance énorme d'avoir le président Macron avec nous. Et pourquoi avons-nous le président Macron avec nous ? Ce n'est pas parce que j'ai transformé un crapaud en président, c'est parce qu'il va nous expliquer ce que c'est que l'argent magique. Quand une infirmière lui a demandé plus de moyens pour exercer son métier, il lui a répondu qu'il n'y avait pas d'argent magique. Il n'y avait pas d'argent magique. Et oui, qu'est-ce que l'argent magique ? Vous vous demandez tous, mais où est cet argent magique ? C'est très simple, l'argent magique, il existe bien, il est bien réel. C'est les 60 à 80 milliards de l'évasion fiscale en France chaque année. C'est le CICE, c'est les milliards du pacte de responsabilité, c'est les milliards des niches fiscales aux riches et aux grands patrons. Donc cet argent existe bien. Et aujourd'hui, vous avez la chance que M. Macron a pris avec lui l'argent de tous les riches contribuables. Il a dans ses poches les milliards de l'argent magique. Alors je vous invite, un citoyen ou une citoyenne, à venir vous approcher du président. N'ayez pas peur, prendre un billet, approchez. Venez, prenez un billet, venez madame, bravo madame, on l'applaudit bien fort. Prenez un billet, venez madame, par ici madame, venez. Vous mettez l'argent dans cette boîte magique. Je vais emmener chez le directeur.
magique pour les étudiants. Donnez l'argent magique aux étudiants. Le président va vous donner l'argent magique. L'argent magique, il refuse aux infirmières, aux cheminées, aux fonctionnaires, aux jeunes, aux hôpitaux. Demandez l'argent magique du président. Il en a plein les poches. L'argent magique, venez chercher dans vos poches l'argent magique. Il est là, l'argent magique, il est là, dans les poches du président. Venez le chercher. Personne ne veut l'argent magique du président. Incroyable. Ils ont tous tellement d'argent qu'ils n'en ont pas besoin. On les applaudit bien fort. Gamins de 5 ans, faut drapeau maintenant. Tous ensemble, on va gagner la four étudiant en ce cheminot. Tous ensemble, il faut lutter. Tous ensemble, on va gagner la four étudiant en ce cheminot. C'est tous ensemble, il faut lutter. C'est tous ensemble, on va gagner. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. C'est tous ensemble qu'on va gagner. Carrefour cheminot, prof cheminot. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. C'est tous ensemble qu'on va gagner. Carrefour étudiant, prof cheminot. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. C'est tous ensemble qu'on va gagner. Carrefour étudiant, prof cheminot. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. C'est tous ensemble. Nous disons,
du projet de loi sur l'immigration. Qui s'appelle donc les gars du bâtiment, je ne vais pas aller chercher très loin. Pour ceux qui chantent avec nous, c'est page 56. Écoutez les grands qui font les chantiers, nos voix de prolétaires qui disent il y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un quart à temps marqué comme du blésail, à mort de l'outillage qui nous brille la tête, marre du chevaillon, du boulot qui nous presse. Ils cotisent, ils participent au développement de ce pays, ils cotisent à la sécurité sociale, ils font le même travail que les travailleurs résidents. Ils ont leur place en France, on doit respecter leurs droits. Nous disons retrait des projets de loi d'immigration qui est une honte. Monsieur Gérard Colomb, retirez votre projet de loi, c'est un recul des valeurs de la République. Faire de la solidarité un délit supplémentaire, c'est une honte, un recul des valeurs de la République. Ils passent ici, ils vivent ici, ils doivent être régularisés. Tu vas donc s'assoit simplement, je sais pas si Moi je regarde par là. Juste c'est pas mal.
moi, tu vas te prendre. Ouais, devant des airs, c'est
salariés. Il y en a assez. Assez de cette société qui n'offre que le chômage et la précarité. On dresse les actionnaires et vire les salariés. Il y en a assez de cette société qui n'offre que le chômage et la précarité. On dresse les actionnaires et vire les salariés. Il y en a assez de cette société qui n'offre que le chômage et la précarité. Engraisse les actionnaires et vire les salariés et enrichit les banquiers. Et les vieux dans la misère. C'est possible. Les jeunes dans la misère. Thank you.
bordel. Hein. Maintenant plus personne. Ok, maintenant on nasse les flics. Thank you.
А бесплатный газет, который раздает в метро, то главный. Местный СМИ будут фотографии 10-летней давности. Тогда в результате волнения 68-го сменилась власть. И при этих фотографиях зависит от того, что постепенно возможности и возможные последствия. Тогда в результате волнения 68-го сменилась власть. Никакой эти фотографии. Regardez les gens, les gars. Ah oui, regarde, c'est la voiture qui est.
auront les plus belles images. Thank you.
Je vais écarter. Mettez des espaces avec mon engin. Oui, je peux prendre la gare. Oui, pas. Vamos ver quanto tinha, né?
Y'a pas qu'à bon faire jambes. J'ai pas pris les sacs à dos, moi.
Est-ce que c'est bien suivi?